Monsieur Dame Tangle Cookie. Montard déjà, des éclaireurs, Bautio Leka déjà, c'est pour signaler que le président de la République sort déjà. Monsieur Bouche, je vois que tu l'anabiso. L'anabiso.
mesdames et messieurs. Veillez na. Les gars, conseillers. Oh, bon, on va pas en savoir, on va pas en savoir, on va pas en savoir, on va pas en savoir.
même pas en train de oh, malin. Comment tu veux faire ça? Voilà. Attends, c'est bon. Ok. Nana Bango. Tika Bango, il a Nana Bango. Thank you.
yo. Thank you.
Merci. Vous venez de suivre le retour du président Félix Tshisekedi, très contesté par certains. Il n'y a pas eu engouement. Il y a eu C'est un peu compliqué là. Alors on va essayer un peu d'analyser ça ensemble avec notre bien-aimé, que vous aimez bien, Héritier Ndash. Tata, bonjour. Bonjour, Papa Stéphane. Tolandi Mukonzamboka, Aotikozonga, Baloba qui a koufi, mais a koufité. Le président Félix Tshisekedi à Kinshasa. D'abord, impressionnant d'abord. L'impression, je note que ce que nous faisons ici ne passe pas inaperçu. Parce que nous avons fait une émission, au sujet de cette émission, dans laquelle, pourquoi des mouvements suspects de membres de la famille du président de la République? C'est comme si les robots communicants au niveau de la présidence de la République ont suivi cette émission et comme réponse, balancer les buissons photo et à président de la République, ce truc qu'on a fait ici. Et, au lieu de la n'a pas compte, 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 on a même fait un parallélisme avec le président Mobutu aussi, en 1996, lorsqu'il est allé à Salaki, période de Bélé, à Poto, pour le problème de santé, il est rentré, je crois, décembre 1996, à Zaginayo. Après, on apprend que le président de la République, Akoya Lelo, s'en est suivi cette guéguerre, cette cacophonie autour il y a président de la République. Parti politique, Assemblée nationale et présidence. Nous sommes dans un État. Et quand on dit un État, c'est un État démocratique, un État des droits, une république de surcroît. Tozalina, Katia, République bananière, nous sommes dans un État sérieux dans lesquels les règles, les principes, les codes président à l'organisation sociétale. Vous ne pouvez pas vous réveiller. Comme ça, Olubi Makambego Salamaboué et Gosalamalolenge Pakala. Le président de la République a une particularité manquante. Sa particularité, à Maka, ses alliés étaient, il est à la fois individu et en même temps institution. Toutes les autres institutions de la République, Ezali, na mototé, Ezali incarné par Motomokote, Ezali na batebele. Ça veut dire nous avons quatre institutions, le président, le gouvernement, les cours et tribunaux, les parlements. Parlement est bicaméral. Quand on parle les parlements anani, ba député. Na ba sénateur. Tant motolobi, les cours et tribunaux. Donc oh ba bengi pouvoir judiciaire Ezali ning. Ezali ba zouzi. Ezali batonyo so bazali na domaine du droit, ba professionnel du droit, ba moto bazali na quatre instances voilà. Ba organisation ezali ba cour d'appel, tokei ba parquet. C'est beaucoup là, c'est beaucoup. Beaucoup de choses. Okay, na gouvernement, même chose. Le gouvernement, ce n'est pas le premier ministre. Il est le chef du gouvernement. Oui. Or, pour le cas du président de la République, il est à lui seul l'institution. Donc c'est Félix Abimika à la place Tozawa. C'est l'institution et voilà. Président. Et comme c'est lié Moko, il y a cette dualité. Un individu incarne une institution. Tout de Félix Tshisekedi doit être fait par les protocoles d'État. Parce que le président de la République, sa présence, c'est l'officialité. Bien sûr. Tout de lui est officiel. Il n'a plus de choses. Même si Azan a besoin d'aller à la famille Naïe, X ou Y, c'est officiel. Ouais. Parce que Nzela Naïwana et Tamboli Naïwana et Gozala, dirigé par les protocoles de l'État, par les services de sécurité. C'est-à-dire, les budgets de l'État seront engagés pour soutenir, assurer déplacement, mobilité. Même quand c'est dans le cadre familial. Parce que le président est une institution. Après, je note que Bandeko Messani va comprendre. Non, il dépense qui est en fait privé. Oui. Il n'a rien à voir avec l'État. N'arrive pas à comprendre que Félix Tshisekedi n'est plus de l'UDPS. C'est ça le, grand problème malheureusement. Oui. Bandeko et l'UDPS, notamment pour ne pas faire la fixation sur Bakondi à partie, que le président de la République ne leur appartient plus. Le président de la République appartient au peuple congolais. Il est de l'UDPS,
secrétaire national en charge de relations internationales et extérieures, tant que aïe kokoma chef nabango président parti, tant aïe kokoma chef nabango na dialogue il y a cité de l'OIA là, non, il y a Senko là, il était acteur politique, ouais. Mais de ces faits il n'est plus acteur politique, on lui a dépouillé, ouais, de tout ce qui est comme attachement politique. Lui c'est la République, lui c'est la nation, c'est-à-dire il est au-delà, il y a ma partisanerie, il y a ma position, il y a ma parti politique qui est alimentera bien entendu géopolitique, et lui est au-dessus de la géopolitique, il regarde la nation, il regarde les intérêts de la nation. Mais malheureusement, bah, tu as parti politique mais balingue pas réduire. Bazon ici na carcan au wana. Donc bango ba koti réunion, bazo organiser chef de l'État. Non, à la limite, je trouve que c'est extrêmement insolent que le membre d'un parti politique décide de comment un président de la République doit être accueilli sur la zone de Mbokanaï. Non, la présidence dit non, mais l'UDP se dit oui. Déjà, on a assisté à une sorte de guéguerre médiatique lobby entre la présidence de la République à travers le protocole d'État qui a décidé d'annuler toutes les dispositions relatives à l'accueil du président de la République. Mais ça n'est suivi un autre communiqué de l'UDPS, une sorte de contre-communiqué où ils allaient confirmer la mesure de l'insolation pour accueillir Mokonzi Yamboka. Ne donnons pas l'impression que nous sommes dans une république bananière où le genre des partis politiques en fait privé, qui du reste décide même en marchant, en foulant aux pieds les décisions prises par l'instance habilité. Un service approprié. Habilité. Je dis habilité parce que les pouvoirs sont d'attribution. Bien sûr. Le bateau va aller une attribution. Au but, ce tofout à Rambongo. Pour ça, la Moussala, on a le protocole d'État, ils allaient y dépester. Nous, on n'a aucun engagement aux alliés. Ils dépestent, ils allaient devoir mon côté vis-à-vis du peuple congolais. Azali a un devoir vis-à-vis de militants. Oui. Et donc, il s'est dit que ça la part des choses. Moi, je pense que le comportement, ça prête quand même flanc à l'adversaire, à la politique, au bas de que nous allons confondre la gestion de notre parti politique et la gestion de la République. Il faut de manière claire et implacable, nous allons tenir sur le Konzi Mboka, tout ça la distingue. Si on est de la même famille politique ou de la même famille biologique, na lelo nenge ya komi institution. À la limite, c'est un comportement de rébellion. Bien sûr, rébellion qui nous honore pas. Un comportement d'un civisme qui marche na contradiction avec les principes édictés. Si on était républicain, on accepterait et on se soumettrait à la décision et au protocole d'État. Et en plus de cela, c'est un acte qui expose le président de la République. Puisque c'est le protocole d'État qui est censé avoir les informations nanini, nan niveau ya sécurité yamboka. Un, protocole d'État na service ya sécurité yamboka, ba yebi ja kite mo konjo, soki a kiti na foule, na moment toza, tout va bien. Te, soki a kiti na foule, na moment toza, vibe d'information toza, ça ne va pas. Yamon a zolo bake, l'UDPS risque encore. Il y a insécurisé chef de l'État sans toutefois le savoir. Bon, peut-être qu'on comprend des langues parce que très pertinent. Je vais nazo le bango en d'autres termes. Le quoi là on est dans une république, les pouvoirs sont d'attribution. C'est-à-dire que moto la moto en fonction y a Moussala Bopessier doit rendre des comptes. Sauf que quelque chose arriverait au président de la République, ça relèverait de la compétence, il y a protocole d'État. Oui. Mais ce qu'on a cas d'espèce, qui va protocole d'État a désengagé une organisation, et c'est l'UDPS qui décide, s'il arrivait malheur au président de la République, de qui va endosser. Qui va endosser les responsabilités. C'est ça le problème. Et c'est à un certain moment d'arriver, comme une folie.
Pas relevé de folie qu'on parle de l'État, qu'on parle de l'institution président de la République qui mérite notre respect. On peut se mettre le long des routes, Tozeli à Koleka, à l'équipe de Betimabo. Tout à fait. Moi, je pense que l'UDPS a des cellules sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. On peut côté mais le long des routes. On a Babima, le long de la route, il y a la banderole, Mourozazo, le maillot, mais accueillir, ça suppose une mobilisation. Et politiquement, ça a de l'impact. Politiquement, son impact, c'est parce que je crois que l'UDPS veut encore s'approprier le président de la République, ce qui est dommage. Est-ce qu'il le fait pour montrer aux sociétaires de l'UDPS que nous, il y a Union Sacrée, qu'il nous appartient, il est à nous, c'est nous, on est Mais maintenant, c'est quoi fiasco autour de l'Ouangzéana? S'agissant de fiasco, Oyo, ce fiasco est dit, bien entendu, na imbroglio. La confusion entre ça le parle la vérité il y a fiasco ça le parle la vérité c'est un fiasco oui c'est fiasco et puis il y a imbroglio et allez lié na bien entendu cette confusion médiatique et communicationnelle. What? Le gens ne savait plus à quoi s'en tenir. Est-ce qu'il faut s'en tenir au communiqué du protocole ou celui de l'UDPS ou encore de Mbosso? J'apprendrai aussi que le président Mbosso lui aussi serait entré en danse pour dire que ma disposition est à accueillir Mugonzamboka va confirmer. Zelanan, est-ce que Mbosso comprend d'abord pourquoi il est président de l'Assemblée nationale? Les gens disent. Est-ce que Mbosso sait très bien que moment où tu as session, Azana Yanguza session, mon très capital pour Namboka? Mbosso, les gens commencent à critiquer sa gestion en disant que le président Mbosso, même pour des raisons, il faut Azela, Abenga Mugonzamboka. Mbosso doit comprendre, oui. D'après ce que les gens disent, le président Mbosso doit comprendre que nous sommes dans la séparation des pouvoirs, principe énoncé par Bandeko, qu'on a mis sur Montesquieu. Moussala Naezali, Moussala Naezali, qu'on jouait contrepoids vis-à-vis de l'exécutif. Et le président de la République, il est un membre exécutif. Ouais. Donc Mbosso doit veiller à ce que l'équilibre des pouvoirs est ça la Mama Lunga. De manière bien pour permettre un développement harmonieux et la démocratie. Mais s'il ne le fait pas, s'il le fait mal, alors il n'est pas à sa place. Je trouve qu'il faut que les acteurs politiques soient pétris, caractérisés, pas à la imprégner dans la pratique, dans la valeur démocratique. Et permettre, Bango, avec un peu d'éthique et de bon sens, va jouer pleinement rôle. Non. Sinon, ce sont des gens qui sont dans des places où ils ont convenu à Bango. Et rendement à Bango, c'est un rendement piètre, rendement médiocre, qui n'est pas. Alors, au terre, au prorata, il y a ma tante, il y a peuple congolais. Très bien. Bah, député provincial, dans Malindombe, bah, Dindina, Rivière, Malindombe, bah, Koufi. Une chose, s'agissant de l'Okoyasuka pour bloquer le président de la République, il faut qu'on fasse la limite entre ce qui relève du domaine de la politique et la limite de ce qui relève du domaine de la haine. Oui, je le dis à mes frères, notamment les katumbistes, qui, avec lesquels on a échangé, bah, Yibi Singai, chef Nabino Erni, et l'Okoboye, Bamsousou Balobi, Aibon Sekupa Kéyakoufinaï. On souhaiterait le mal au président de la République. Certains Congolais ont souhaité du mal au président de la République. Bien sûr, c'est connu. Vous pouvez vous imaginer. Et ce sont des acteurs politiques qui ont émis de tels souhaits. Voir un autre humain, un semblable comme nous, mourir. Parce que tout simplement, tous les adversaires politiques. Je les rappelle, il faut passer à la part des choses de ce qui relève du domaine de la politique et ce qui relève du domaine de la haine. Ce qui relève du domaine de la haine, et Romé Mabango, Kaka, na égarement, na libungutulo, na échec, na frustration, na délision. Nous, nous sommes des politiciens. On n'accepterait pas que Moïse Katumbi meure, même s'il est italien. Mais il reste un humain. Un citoyen du monde. Un citoyen du monde. Et moi, je suis citoyen du monde comme Moïse Katumbi. Bien sûr. Donc, je ne lui accepterai pas du mal. Ouais. Et je vis des Congolais, bah, c'est pelli, akende, n'a pas bon, c'est pelli, akende. Bah, ça, les comparaisons. Et Moïse Katnani, Mobutu est rentré en décembre 96, à ce coup d'état en 97. Bah, lui, il n'y a pas outil de malade, à la télé-locoana, il n'y a pas l'année prochaine, peu à l'ombre. Voilà des choses bon, comme ça. Sont des c'est connu, hein, le détracteur, il y a République. C'est malheureux. Je disais, c'est le député, il y a Badini Namaï. Bah, ouais. Les députés venaient, ce sont les députés, il y a l'Assemblée provinciale, il y a Maïndomé. Ils venaient, bah, dans la séance de travail avec le président de la République. Et Bango 4 va s'organiser, va s'organiser à Moutoukamoko et Moutoukanabango et finir course Nango
Nakatiamai. Jusqu'à maintenant, tu as évité quelles sont les circonstances où il y a mis Moutoukawananim. Je pense que c'est cause à l'excès de vitesse. Ce qui est allé excès de vitesse, c'est peut-être Moutazaï Gokumba. Azagi ivre. Ça arrive. Qu'il y ait des conducteurs, des gens qui conduisent. Amélie nos chauffeurs ici, même le patron, le chauffeur, vous n'êtes pas tout le temps avec eux. Tant à Bimé, Azumo, Kopona, Amélie, tant à Rosumba et tout ça. Et aussi, je note qu'il y a un taux élevé, dans la statistique, lié à l'accident de circulation. Ça doit nous permettre à réfléchir sur l'état de nos infrastructures routières. Parce que dans deux pays sérieux, on fait des statistiques existent bien entendu. Au réseau Lagessa, comment est-ce que les politiques publiques en matière d'infrastructures routières, elles allaient qu'on résoudre, elles allaient qu'on enrayer, elles allaient qu'on réduire substantiellement les accidents de circulation. Mais je ne sais pas quelle est la politique. Maintenant, il y a une République démocratique du Congo contre les accidents de circulation. On vient de perdre comme ça trois députés et professeurs. Ce sont des autorités de la province. Trois perdent la vie de cette manière. C'est vraiment très triste. Et on profite de cette occasion pour bien entendu, présenter nos messages de condoléances à la République. Parce que ce sont les députés de la République. Ils sont élus. Pour la province Moko, mais Bazali va député, il y a République. Et je présente le condoléance au premier, la première institution, au président de la République, parce qu'il venait pour la travailler pour la République. Alors, à l'ensemble provincial, il y a Maïdombe, Bakondi, ainsi de suite. Mais ça doit nous permettre, nos chaos, trouvons des opportunités pour aller de l'avant, pour mieux faire. Mais malheureusement, les situations chaotiques ne nous permettent pas de nous asseoir, de réfléchir pour nous améliorer. Au moins, aujourd'hui, on a oublié. Les gens sont morts. Il y a des bonhommes, bien que les communiqués, on va en parler, les communiqués, il y a Hydrocarbi, un communiqué, il y a Lokuta, et tout. Voilà. Mais je note que les Congolais peuvent mourir, on passe rapidement à autre chose parce que nous sommes un peuple qui n'a pas d'idéaux pour lesquels à s'attacher chacun. Quand les idéaux n'existaient pas, les valeurs autres défendent la réalité, c'est normal. Tout chez nous est éphémère. Tout est éphémère. Même le sextype est bimé, tu vas consoler pendant 2 secondes, après l'obécile, après Moutabansari, le sextype. Comme Moutéa, l'obé Moutayibimbong à l'État, l'obé Balegisa comme ministre, les gens crient pendant quelques minutes, Willy Bakonga est rentré ici. Voilà, il est là. Il est là, personne n'en parle. Les gens se sont morts, on a. Récemment, les sous hein, na côté à Tanganyika, t'es pas Tanganyika. Lualaba. Lualaba, oh, il y a des déraillement. C'est dans les déraillements. Voilà, les déraillements, les gens m'ont appelé. Après, ils sont au Salaki, ils sont au monsieur Ritier, pourquoi le Bibongo responsabilité et tout ça, ils ont engagé. C'est la théorie où existe, il y a la théorie de la non-responsabilité. On s'y pose ceci. Au moment où on a un commis passager interdit. Oui. Quand on a un commis passager interdit, ils ont le code de la non-responsabilité et entreprise. Ce qui m'a koufi, par exemple, au matin, il y a CEP, aux Alaki, ils ont interdit comme ma bateau. Ce qui m'a koufi, les entreprises, ils vont faire croire que responsabilité n'a pas été engagée pour prévenir qui est comme mais faux, je discute longuement avec des amis juristes, éminents, expliquer que la théorie de la non-responsabilité n'existait pas du point de vue civil, ils étaient inopérantes. Pour la Nini, tout ça, la jurisprudence, moko, na, je crois, ils allaient dans le tribunal moko, à Goma, où une ONGD, ils allaient avec un hélicoptère en haut et même à Kabato. Moko, il y a un pilote, paraît-il que moi, si naïe, tous les qui naïe, ils allaient avec un Zemi. Et il fallait qu'il va déplacer d'un millier X à un millier Y. Et embarquer dans quatre hélicoptères, il y a ONGD, alors qu'ils sont censés comme un passager, cracher Salama, et bien, on va trouver mort, Koufa. Et pour ces salama, la famille, c'est un dommage et intérêt. Et l'avocat et la société, il y a une clause ou une non-responsabilité. Et les talibis sont pour tout le monde qui ont été mataté. Mais il y a une condamnation à l'entreprise ou un GDO, il faut un dommage et intérêt. Je suis dans ce cas, on a mis des recherches là-dessus. Ça montre que même s'il y a une beauté clause de non-responsabilité, l'entreprise, on suppose qu'il y a une bataille de la sécurité. Il faut veiller que les bataille ou les bataille sont censés être mataté.
Ce qui va être dans la matinée, c'est dans la NCC, il y a des gens de sécurité qui sont dans la police. Même on a 13 ans dans la police. Si les gens, la matinée, il y a tout, il y a train, alors que les gens sont censés se retrouver, c'est qu'il y a une faillite. Responsabilité. C'est en complicité avec les gens. Soit il y a une faillite, soit il y a une complicité. Donc, responsabilité civile, il y a entreprises engagées. D. Conducteur, oiseau, même abattu, oh, il y en a 4 qui sont censés être dans la droite, mais à continuer, à te limiter. C'est-à-dire qu'il a cautionné. Il a cautionné en gros. Oui. De ces faits, responsabilité civile est allée engager. Il y a un moment où il y a famille et victime. Il y a un moment où il s'est constitué un procès contre NCC pour que les gens soient indemnisés dans les gens qui ont fait. Ça, c'était une parenthèse pour la question de l'autre. Parce que je reçois des appels, mais je dis gens, mais quand vous expliquez tout ça, et voilà la. Très bien. On a des bonhommes. Tu vas me dire qu'à moto et pelé, oh bah tu vas confier, bah tu vas dire qui. Mais ministre Bodimbo lui dit, il n'y a rien comme dégâts, il y a tout. Nous sommes à l'ère de réseaux sociaux avec les nouvelles informations, les nouvelles technologies de la communication, de l'information. Aucun secret n'est pénétré. Secret à sauter. Tous à sauter. La série à Mobutu, on avait des journées, des Balena, Moussouana Souginini, des journaux seulement pour toute la République où vous pouvez écrire vos bêtises et l'image qu'on est balé ce qui n'est pas là vous information et les gens n'avaient pas la possibilité d'y accéder. Mais là nous sommes à l'ère de la technologie. Tant que le réseau ça la mawana bateau à la limite zala qui kota la image wana et les gens ont regardé. Je notais des choses il y a des bosso et que nous sommes dans une république presque en faillite, une république où les gens, les pouvoirs publics, ils ont assimilé le rôle de la voter. Yaliboso, est-ce que il existe une décision, je crois un décret, un ministre Mdeko Boudimbou, interdisant le déplacement, il y a un produit pétrolier d'une province à une autre province, Namituka. Parce que les produits pétroliers, ce sont des produits très 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 flammable. Et le quoi les alliés va produire très flammable, les alliés très dangereux pour la vie humaine. Il y a un moment et c'est un cas. Ils allaient embarquer, na kati yami toka oyo ils allaient na ba condition y a pour protéger yango malamo. Et y a quand na kati yaba citerne. Sauf qu'il na sept Congo, au cours de son bas essence, bah au tiers là oyo il na kati y a mouya fuité. Ce sont des mesures pour que ça l'ait été. Et ça, par rapport à la standard, il y a comme ma bilokoan. Dépôt place Ziki, parce que Ziki, ils ont stationné. Ils ont assis, mais ils ont dépôt pétrolier. Dans le cas où il y a dépôt, il y a un extincteur, ils ont été. Or, les agents du ministère, il y a hydrocarbures, ils sont censés que les cacawana pour vérifier les conditions de sécurité et de fiabilité, il y a dépôt. Est-ce qu'ils sont conformes à la norme? Est-ce qu'ils allaient garantir sécurité à la population? Très bien. Mais les agents hydrocarbures tombent à l'écart. Quand ils ont 3000 francs, ils sont mis dans le monde. Allez, qui? OCC, ils sont censés contrôler les produits pétroliers et les cas de manière clandestine. Parce que les produits sont mis dans le monde. Et quand tu as de manière clandestine, na kati ya mituka parce qu'il y a une fille en métal. Tant que le produit flammable, au quotidien, on a kati ya mituka. Où est allé? Na ba système ya aération. Kati ya mituka, on est allé à Libende. Il y a un moment où on est allé à Libende. Tu as la chaleur. On met la vie des Congolais dans un péril parce que tout simplement, un aventurier a aussi 16 ans, il va payer 1000 dollars et il y a les kisi, le produit pétrolier. Et là, quand il a mis ça tout, je note que le mot là, il y a sécurité, il y a fiabilité, c'est que l'État congolais a failli, à travers le ministère hydrocarbures, veiller sur la sécurité, il y a un produit pétrolier pour que constituer une menace de danger pour les Congolais. Les Congolais sont morts, les communiqués par étude du ministre hydrocarbures, à lui, il va tout. Le Koutawana la ligue à côté. Je n'accepterai pas des choses comme ça. Vous ne pouvez pas en cracher sur la mémoire des Congolais. Nous avons des images ici. Batouba Koufi. Il s'est basé sur quel élément objectivement valable. Parce que les gens qui sont là-bas, sur quoi? Parce qu'avec-il envoyé aussi
une commission place fond d'enquête. Je ne pense pas. Donc, à partir de sa chambre, avec autant de légèreté, Sans vérification. Sans vérification préalable, il balance des choses comme ça. Je note que Makambo Oyoana et Salami, responsabilité faisant établi. Au Congo, ils ont les locaux, comment on va te faire. Tout le monde n'aime pas. Non, le Congo est à l'irresponsabilité. C'est le gars responsable. Gaïté. Et vous verrez oui. que personne ne sera sanctionné. Oui. Les choses vont se passer comme ça. Ah oui. Bah, toi, on a pas ça là qui bombe pour la Nile. Parce que, bah, Yokaki, ils avaient eu écho. Il y a rupture. Il y a. Bah, produit pétrolier, il y a Kinshasa. Bah, il y a quelqu'un qui est bah, produit pétrolier et combattant. Ne va s'approvisionner dans le marché ou un clandestin, bah, produit pétrolier et belé, pour que bah, ça la spéculation. Tant que biloko aussi, la réalité, bah, produit, bah, on va arrêter quand on a pris, il y a l'icolo. Il y a un magasiné. Mais biloko, on a eu la condition où ils ont respecté tes bah, normes et puis bah, standard en matière, il y a déplacement, il y a bah, produit pétrolier, mais aussi il y a stockage de bah, produit pétrolier. Et là, nous sommes en train de payer l'autre bille. Imaginez-vous, papa, que le coin est salamaki, neti, nabitabi, le nabitabi. Imaginez-vous que le coin est salamaki, le coin est Pascal. Le crime. Na Pascal. Crime. Les gens prennent des choses à la légère, alors que les vies humaines, ils allaient causer la détruite, comme ça aussi au vu de tout le monde, nakati ya capitale. L'État congolais a failli en la mission naïe pour sécuriser. Bah, Congolais et l'air bien. Là, nous payons lourd tribut à cause de l'irresponsabilité. Il y a des dirigeants, notamment il y a le ministère de l'hydrocarbure, il y a le service de l'Union. Très bien. Chers compatriotes, nous sommes là dans votre émission Tango et Koki sur Edem TV officiel. Bah, pasteur. Le pasteur. Dans le blague, il cambo, tout le monde va bien avec ça. Mais Stéphane, comment tu peux parler comme ça, sans pudeur? On se va makambwa les bossona ya sima basali. Ah papa. Bango mutu basali makambwa moi si azolo ba ke ba. Balali na di bossote balali na sima ki ba passe ba makile bimi. Ye moko alobi makambwa na yangani yanga iza wapi. Balobi di soso ke ba kabwani. Est-ce que ba divorcer ya solo? Ba tu musu ba ibisha ke mona mwasi ango soko za wadi wana. E bula. Balobi bula. Abulisa tembe masina. Il y a 207 ans qui narrent ma campagne. C'est compliqué. Bon, dossier, on a trouvé un impact positif ou négatif. Il y a ma cambonion sur la société. Merci beaucoup, Namoutou. Il faut toi plutôt préciser que vous êtes sociologue. Déformation. Le problème, c'est que nous sommes dans une société où nous sommes tous hypocrites. Il y a d'autres faits où ma interdit Arabie sur tout le bilan. Ce que tu parles avec l'église, cocotate. Dans une démocratie, il n'existe pas de tabou. Bien sûr. Dans une démocratie, tout est sujet de débat. Oui. Tout. On peut discuter aussi sur le salaire des présidents impliqués. Si on discute sur le salaire du président, tu veux les gars belés. Si on discute sur son tronc de vie, c'est-à-dire, bah fait moussou, ils en coûtent un tina mingi te tour discuter. Le long avec ma solo ya, bah pasteur et les bah bengi, bah fait religieux. Fait religieux. Oh, bah, Bengi, les Ali, bah, faits sociaux comme les autres. Parce que nous, on étudie les faits et les phénomènes sociaux. Le fait religieux est un fait social. Au même titre que le fait politique, que le fait économique. Nga, n'a un droit à Rotangayango. De deux, je note que, bah, valeur religieuse, les Ali, mon quoi, bah, valeur de la société. Les valeurs sociétales. De ces faits, il faut dans le temps, n'a pas l'interaction, n'a pas l'impact, il y a valeur religieuse. Sur la société. Est-ce que depuis que tu as l'air, il y a une église de réveil? Ce phénomène, religion, et permettre à Congolais et faire avancer l'esprit dans le monde. Est-ce que le phénomène religieux, le feu religieux, et permettre à Congolais et avancer vers le développement ou pas? Vous avez la réponse. Sur le pont, il y a veille à esprit. Les Congolais ne sont pas éveillés avec ces églises qui, pour moi, sont, pour la plupart, des églises d'endormissement. Ce ne sont pas des églises de réveil. D'endormissement, ce sont des églises de sommeil. Où les Congolais, pendant
avènement, depuis l'avènement, il y a l'église de réveil, le Congolais, esprit naïe, il a éveillé. L'esprit du Congolais ne s'est pas développé. Par contre, il régressé. Avec le phénomène, non, kolobate. Là-bas, c'est du tabou. Non, on ne réfléchit pas. On discute. Parce qu'on s'abattou. Aussi au vie de tout le monde. Sous le regard impuissant ou complice de l'État. Parce que ce qu'on a dit, l'église, c'est une irresponsabilité économique dans la société. Processus, défiscalisation. Les églises, bazar, défiscaliser, foutre à gâter. Bazar, on a charge de mon côté. Mais pourquoi est-ce que l'église, bazar, on a charge de mon côté vis-à-vis, économique vis-à-vis de la société? Mais ce sont des gens, pour la plupart, bazar, extrêmement riches. Mais oui, oui. Mais si ces gens sont riches, c'est que l'activité n'a pas et ils ont coûté ça. Pourquoi ces entreprises? Il faut arrêter. Parce que Bazali régine la loi 0, je crois, 004/2001, portant disposition générale applicable aux associations sans but lucratif et établissements d'utilité publique. Est-ce que vraiment l'église a sans but lucratif? Le lucre, là, c'est de l'argent, non? En fait, nous devons faire la part, nous devons réfléchir. Pour Nanini, le régime politique et à Kordaka, bénéfice, il y a défiscalisation dans l'église. Pourquoi? Parce que les églises, ce sont les institutions de socialisation des masses. Il y a un rôle, il y a un dans les maintiens, il y a système et ordre politique établi. Moussala Nango, Ndenge Bandero Lungo, Karl Marx, la religion, c'est l'opium du peuple. Moussala Nae, c'est endormir le peuple pour que le peuple ne prenne pas conscience. Son esprit est à la éveillée. Et on a, dans des églises, on accepte que des criminels, pour la plupart politiciens, deviennent des donateurs dans ces églises-là. Quand quelqu'un vole l'argent de l'État, yo pasteur Nae, au fond, l'État mbangate po yibi, ça y est que mbongo et l'État au yibi zali mabe. Aïe à PCO, ils sont installés dans la première loge. Vous savez qu'il y a un bon bonheur. Il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Il y a un rouge. Il faut que tu aies un bonheur. Il y a un bonheur. Il y a un ciment. Protocole à Roya, à Taléloni, au ministre. À toi, il y a un retard. Mouibi. Un voleur. Il existe une relation incestueuse entre la religion et la politique. La religion soutient, entretient la politique. Va permettre de maintenir ordre politique. Il y a un monique que les politiciens, les religieux, les bassins, les protégeurs. La protection est du fait de la loi. Cette loi protège les églises. Deux, les politiques ne sanctionnent pas. Il y a un monde, il y a religion. Pourquoi? Parce que ce qui va mettre qu'on sanctionne en bango, va reconnaître le problème avec leurs fidèles. Par populisme, qu'est-ce qu'ils font? Il faut laisser ces gens-là. Nous savons très bien que les lois où ils ont régir et mes dispositions générales applicables aux établissements et à la dignité publique, le fonctionnement de l'église est en contradiction. Il y a Liboso, dans la loi, je crois, article 15, l'église est coquée cause à la naba bien-té qui ne sont pas liées à l'activité. Pour les alliés, association. Donc, dans quatre associations, sans but lucratif, il y a un bilan qui est une utilité par rapport à l'association. Ce qui est commis à l'au-delà, l'État faut intervenir. Par pour preuve, pour nous, l'église, le pan de l'église, il y a un combo de pasteur. Un certificat, un document d'église, un document parcellaire, il y a un combo de pasteur. Pourquoi? Parce que c'est une ONGD. C'est une association sans but lucratif. On suppose que il y a un intérêt, il y a un profit, il y a un pour nous servir. Pour des raisons, il y a un sunga. Mais pour nous, il y a un conduit, il y a une église, parce qu'ils ne peuvent pas avoir un patrimoine. Le patrimoine appartient à l'association.
Mais bon, et l'État connaît tout ça. Masala Ranini, rien du tout. Nous sommes en train d'aller dans un égarement qui ne dit pas son nom. Les églises, elles ont participé à détruire la valeur sociale à complicité avec les politiques. Les lots ont été masolo, il y a Bandekouana, Zawadi et tout, patati patata, qui va organiser une structure. Il y a Bandembo, il y a Gospel. Les jeunes filles, c'était dans leur téléphone. Majabou et Bandi. Les jeunes filles. Majabou. Bazo, c'est partager ma connexion. Or, cette structure est comme une collection qui est une association pornographique. Mais oui, une association pornographique. Où les pasteurs, les chantres impliqués complètement dans la pratique qui ne reflète pas le valeur religieuse. Une femme mariée qui fait l'amour avec un pasteur divorcé, qui du reste c'est son coach et l'ambassadeur, trop de bêtises. Et l'État ne fait rien. Malheureusement, comme nous sommes dans une société où les gens n'ont pas la mémoire, l'obin a tangoyo kamona. On oublie tout. Je veux vous donner Eglo Kumorayasuka. Quand je lis Alexis Tocqueville, qui a écrit sur la démocratie aux États-Unis d'Amérique, a été aux États-Unis pendant 9 mois. Et pendant ces 9 mois, il a vu les comportements, il a vu l'influence de la religion sur la, démocratie américaine. À Lobby Boyer, les goûts à la liberté, les goûts de liberté, aux Américains, ceux qui ont besoin de la religion, mais la religion, moyen à utiliser. C'est-à-dire, la religion traduit des valeurs. Les nôtres, la nôtre, traduit quelles valeururs? La religion, l'église, traduit valeurs. Et l'autre? Et l'autre? Par contre, ils ont détruit davantage. On dit également, dans les États-Unis d'Amérique, de toutes leurs institutions, la première d'entre elles, l'institution politique, la première institution politique des États-Unis, c'est la religion. Wow. C'est au nom de cette religion que le président américain prête serment sur la Bible, pas sur la Constitution. Mais cette religion, elle est loin de la politique. Parce que Batouana va influencer directement le gouvernement. Ce n'est pas comme ici, la CENCO. Bon, bah, c'est la caméra, bon, partenaire, on est ni. Ceux qui sont dans la politique, là, ils sont. Mais pour travailler sur les valeurs républicaines et démocratiques, pour que mes citoyens, ou mes fidèles, soient préparés pour contribuer et puis soutenir le monde. Je vais jouer un rôle là-bas, on a quand il y a la démocratie. Là, les hommes de l'église ne le font pas. Pour preuve, on parle maintenant de la sodomie dans l'église. Est-ce que vous avez vu l'église catholique, représenter l'église protestante, faire ne serait-ce une déclaration? Non. Ça ne les concerne pas. Ils sont dans l'argent, dans les chop-chop, dans le luxe, dans les voitures, dans les matuvis. Et malheureusement, ils continuent à pauvrir ce peuple misérable, parce qu'on continue à vivre derrière Bado, il y a un misérable, voilà. Et pour la Bango, il faut qu'on maintienne la Bango l'ignorance pour qu'il va continuer à se servir la Bango. C'est qui est malheureux. Et bien sûr, responsabilité, la Bango, c'est que Bango, te dénoncer en Bango. Ces gens-là amènent la société à abîme, à dérive, la distraction, la fossé. Bissou, ça, la mission, c'est pour dire là, c'est pas bon. Là, c'est dangereux. Faites attention, direct aux autres qui n'ont pas le droit. Merci. Merci, héritier. On a tout épinglé, j'espère. J'espère qu'on a, on a tout fini. Merci beaucoup. Merci à Games. Messieurs, dames, Tangwe Koki.